Bienvenue sur ce tirage du mois de juin. Je demande aux cartes de bien vouloir nous parler, enfin me parler, que je les comprenne. Parce que voilà, il y a des fois où je ne comprends pas leur langage. Ça arrive. Ça arrive plus souvent que je ne le souhaiterais, mais c'est comme ça. Je l'accepte. Donc, pour le mois de juin, France. Hein, nous parlons bien ici de la France. La France pour le mois de juin, s'il vous plaît. Qu'avez-vous à nous dire? Que voulez-vous? Que souhaitez-vous nous dire, nous apprendre pour ce mois de juin en France? France. France, mois de juin. Je précise que j'ai pris les jeux dont certains abonnés ont eu la gentillesse de m'offrir, et donc je vais me tenir à ces oracles-là pour ce mois de juin en France. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mois de juin en France. Que va-t-il se passer, s'il vous plaît? On a deux qui ont voulu sortir, donc je laisse. Voilà pour le premier tas. Ça me semble que j'ai beaucoup de cartes là. Y a une, deux, trois, quatre, autant que ça. Mince. Ça me semble beaucoup là. Hein. Ça me semble énorme. Mais bon. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai été dans le tirage de cartes. Et je me retrouve avec beaucoup trop de cartes. Mais bon. Écoutez. C'est comme ça. Je fais comme ça. J'ai mélangé les cartes, hein, déjà. Donc, du coup, elles sont mélangées avant que je ne fasse tourner mon portable. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est bien mélangé. Et là, je vais piocher dedans. Mais avant, je vais sortir mon chien. Pour le mois de juin, s'il vous plaît, pour le mois de juin, pour le mois de juin. Je mettrai en accéléré, hein, sans doute, parce que ça va être un peu long, hein, là. Avec toutes les cartes, je ne sais pas comment je me suis débrouillée, là. Je me retrouve avec trop de cartes, en fait. Je sais pas comment je vais faire ça comme tirage. Je voulais faire un tirage rapide, voyez comme quoi. Toujours pour m'embêter en fait. Ah là 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 là. Et ce magnifique jeu qu'on m'a offert, il est vraiment un de mes préférés. Malgré que, soi-disant, c'est le New Age, je m'en fiche, je l'aime bien. D'ailleurs, je serais prête à vendre tous mes jeux, excepté ceux-là. Hein.
Alors, ensuite, les cartes pour le mois de juin en France. Celles qui sont un peu en surplus, je vais dire ça comme ça, je les laisse juste là, je verrai ce qu'elles veulent nous dire. Donc, pour le mois de juin en France, je vais les retourner. Eh, ça se voit que ça fait un petit moment que je touche plus les cartes. J'ai du mal moi-même. C'est un peu brouillon là. Mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est que vous passiez un bon moment. Et pour ma part, ben, je passe un bon moment. Sinon, je ne le ferai pas. Voilà. Je regarderai pour la visibilité après. Oh mon Dieu, ça va être un peu long hein, ce tirage, me semble-t-il. Alors, ça, ça et ça. Donc, ici. Il me manque une carte, non? Ici, je pense que c'est ça. Ah, j'ai pas enlevé les continents, je viens de voir l'Asie ici. Bah tant pis, hein, c'est peut-être l'Asie, hein, il va peut-être nous parler de l'Asie, on verra. Hein. Là, carrément, j'ai une carte qui vient d'ailleurs. Hein. Est-ce que c'est deux? Je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est un peu cafouillage, vous voyez. Ah ben, il faut de la pratique. Hein. Là, je pratique plus depuis un moment. Donc, voilà, hein, c'est la vie. On verra. Pareil, là, j'en ai deux. Oh là là, ben dis donc. Hein. Bon, ils ont voulu sortir. Je vais les laisser. Je vais les laisser. Oh là là, mon Dieu, que de travail. Et puis celles-ci, elles ont voulu sortir. Hein, donc, voilà, on verra. Donc la visibilité maintenant. Je vais peut-être mettre ça ici et rapprocher un peu. Et je vais enfin pouvoir passer à l'interprétation. Bon, je les ai à peu près rangés, un peu mieux en tout cas. Et je vais débuter l'interprétation. Alors, que nous disent ces cartes pour le mois de juin? Je n'ai pas retiré les continents, donc on verra comment je sens, si c'est pour la France ou s'il y a une carte continent, je prendrai en considération. Donc ici, on débute par cette carte qui nous... Enfin, l'image est explicite, hein, c'est des petits cadeaux. Hein. Donc ici, deux personnages qui s'offrent des cadeaux.
D'ici à dire que il y aura des petits cadeaux ici en France pour en ce mois de juin en tout cas pour ouais c'est ça. Bon, en plus regardez il y a l'argent qui vient après. Donc des petits cadeaux d'argent pour la France hein. Donc la France par ricochet les Français hein. Selon moi hein, c'est ça hein. Voilà oui avec le 9 de Raphaël il me semble que il me semble, hein, je suis pas sûre, mais je connais pas trop. Ça m'intéresse pas parce qu'il y a des belles images, donc c'est comme ça. Le tarot de Marseille, c'est pas pareil, mais bon, toutes les autres cartes, après, c'est l'intuition. Donc oui, ici, il y a un cadeau, un peu comme un vœu, hein, comme un vœu réalisé hein, au niveau de l'argent. Bah, regardez, c'est nouveau. Hein. Oui, des petits cadeaux pour la France. En ce mois de juin, bah, ça commence plutôt bien, moi je trouve, non? Ah là là. Bon. Ici. Bon. Après, c'est peut-être un petit peu moins bien. Ah. Alors, je sors ici la transformation. La transformation. Alors, est-ce que ça pourrait être un décès en Amérique du Nord? C'est possible. Hein. Il y a l'Amérique du Nord qui sort, donc je fais, voilà, hein, je peux pas passer outre. Hein. Donc un peu comme soit un décès, soit en tout cas la fin de quelque chose. Comment je pourrais dire ça, un peu comme si c'était, oui, quelque chose se transforme, hein, mais profondément hein, en Amérique. Hein. Et au niveau des familles aussi, un peu comme si les familles allaient avoir une prise de conscience hein, quand même hein, là-bas en Amérique. Je ne sais pas pourquoi, hein, ça me sort l'Amérique ici. Mais en tout cas, là-bas, il y a quelque chose de pas forcément positif au départ, certes, parce qu'il y a une perte, il y a des pertes. Voir un décès, mais ça va créer une opportunité, me dit-on ici, avec de l'abondance, hein, donc par la suite. Hein. Et ça, on me dit que c'est en Amérique. Si j'enlevais le continent d'Amérique, voilà, je peux le faire aussi, hein, ça. Je l'enlève, merci les cartes. Hein. Si c'est pour la France, la famille française, bah, ça confirme ici qu'il y a une volonté quand même de transformer la vie des familles avec plus d'abondance. Bah, c'est mal parti vu vu le contexte hein, quand même. Hein. Jamais vu autant de personnes SDF dans la rue. Hein. Mais bon, voilà, c'est la vie. Alors, que me dit-on ici? Il n'y a pas de continent. Ça me semble une interdiction quand même. Ici, une route barrée, hein, vous voyez. C'est assez étonnant avec la force. D'ici à dire que notre gouvernement... est en train de... Ici, le personnage, il perd, en fait. Mais bon, si je prends le 7, je dirais que c'est quand même une lame qui me laisse penser qu'il y a une nécessité pour le gouvernement, en tout cas une volonté, non, c'est plus juste, une volonté du gouvernement à persévérer, vous voyez, à continuer sa route malgré les pertes, hein. Vous voyez, malgré les pertes, hein, parce qu'il y a des pertes ici. Cependant, oui, il y a une volonté en ce mois de juin de persévérer dans le chemin qu'ils se sont choisis. Voilà, de toute façon, bon, bah, c'est comme ça. Hein. Eh, vous avez voté pour, hein, donc maintenant, 5 ans, hein. Et bon, il y a une joie quand même, il y a de la joie, voilà, c'est la sans doute une persévérance, pourquoi pas, du nouveau gouvernement qui
s'est mis des protections et malgré, oui, les couacs, etc., en ce mois de juin, va persévérer, va cultiver la joie au niveau du peuple, au niveau de la France, du pays, montrer qu'il maîtrise, ou qu'elle maîtrise, hein, parce que c'est une première ministre, hein, la force c'est aussi féminin, hein, comme l'âme. Du coup, la maîtrise de quoi? Bah des interdictions, de tout ce qui était peut-être barré, etc. Selon moi, la nouvelle première ministre va, voilà, va montrer cette droiture, cette persévérance pour donner cette impression de maîtrise, maîtrise de tout en fait. Ouais, c'est ça qu'on me dit. Maîtrise de tout. Ok. Et alors les Français, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Je dirais que les Français, ils s'entraînent. Ils s'entraînent, hein, les Français, ils s'entraînent à quoi? Bah, ils s'entraînent à l'équilibre, à équilibrer leurs finances, qui n'est pas terrible, à contourner éventuellement, se protéger des obstacles, à moins qu'il y ait un... Ah, attendez, il y a peut-être une préparation ici, on me parle d'une préparation. À moins qu'il y ait les Jeux Olympiques, non, il n'y en a pas. Je me demande ici s'il n'y a pas une espèce de préparation sinon à combattre, du moins se protéger d'un obstacle pour partir, pas à la guerre, mais en tout cas au combat. Voilà. En ce mois de juin, il y a quand même des personnes. Mais des personnes du peuple, je dirais, qui décident d'aller au combat, qui se préparent, voire se sont préparés dur pour y aller, avec une volonté de ne pas se laisser faire. Et ils ont carte blanche, donc plutôt chanceux en fait. Alors, ensuite. Ici, alors cette carte, c'est une jolie lame, hein, normalement, parce que le 10 de Pentacle, hein, c'est quand même la famille qui a réussi, l'opulence, la personne qui ne manque de rien, qui, voilà, le 10, c'est l'apogée quand même d'un événement. Ici, c'est les Pentacles, donc l'argent. Mais oui, il y a un mais avec Cathy, hein. Lorsque je regarde cette carte, je vois quoi? Je vois différents personnages. Par exemple, je pourrais dire qu'il y a je dis n'importe quoi, un Indien, un Européen, un jeune, un vieux, un black, peut-être un jaune, pourquoi pas. Et donc, et en plus ici, vous voyez une voiture avec un autre personnage. Selon moi, ça me parle de l'Europe, voyez, réunion de plusieurs peuples. Ah, c'est ça ce que j'appelle l'inspiration. N'oubliez pas que j'écris, donc voilà, je ne suis pas une voyante. Donc, effectivement, ici, on me parle peut-être de l'Europe. Et que me dit-on? Bah, on me dit qu'il y aura du chagrin. Chagrin en Europe. Pourquoi? Eh bien, parce que y a des regrets, il y a des chances qui n'ont pas été saisies. Donc du coup, ça cause tout ça, ça cause chagrin en Europe. Mais comme il y a ici la carte de la justice, me semble-t-il ici, sans doute, il va y avoir des affaires
soit des décisions de justice, soit un rééquilibrage de l'existant. Et ça va causer quand même friction au niveau des peuples réunis d'Europe. Ça peut être les deux aussi, hein. Il y a peut-être des affaires au niveau européen que je ne connais pas et en ce mois de juin, on en entendra parler, même peut-être y aura-t-il des sanctions ou enfin pas des sanctions, mais vous savez, des décisions qui seront bien tranchées quand même pour amener dans le but sera d'amener un équilibre, hein. C'est pas toujours punitif non plus, hein. En tout cas, il y aura des décisions au niveau européen qui vont causer chagrin, ça c'est sûr. Ça, c'est évident. Que me parle-t-on? On me parle ici de pays chaud, de sécheresse peut-être. Attendez, je reviens. Je vais couper, mais j'étais obligée de me lever. Alors du coup, je ne sais plus où j'étais. Je sais plus, j'étais. Je crois que j'étais à l'Europe, hein, donc c'était ici. J'étais obligée de. Bref. Vaquer à mes occupations. Bon, je reviens. Donc, ici, il me semble qu'avec cette carte, hein, je regarde les images, hein, donc tout le monde peut le faire, hein. Pas exceptionnel, hein. Donc ici, c'est un peu comme si on me parlait d'une nouvelle. On me parle de travail, on me parle de nouveau. Ici, on me parle de culture. Vous voyez, c'est comme si. Ah, ça me parle peut-être de l'outre-mer. Hein. Peut-être que au niveau de la France outre-mer. Ils trouvent un nouveau moyen, je ne sais pas, d'irrigation, de plantation, etc. Nouveau travail aussi peut-être. Oui, travail, hein, selon moi. Comme des trouvailles intéressantes, hein, pour le monde qui vit en outre-mer, pour les gens qui vivent en outre-mer, c'est une réussite. Est-ce que ça peut vouloir aussi me dire que le plein travail revient là-bas en outre-mer? Quelque chose qui germe, quelque chose de nouveau en tout cas. C'est comme la force de la nature la nature qui se régénère. Les gens qui trouvent des nouvelles idées pour se sortir d'un état qui n'a pas été top, c'est le moins qu'on puisse dire, bah, pour tout le monde d'ailleurs. Hein. Alors qu'est-ce qui marque ici? Oui, du travail en équipe, évolution professionnelle ou artistique. Donc oui, ça reprend là-bas en outre-mer, peut-être aussi du fait que c'est les vacances qui arrivent et que les personnes vont se déplacer. Ça ne me le dit pas. Pas clairement quand même, je suis honnête, hein. Y a pas, on ne me parle pas spécifiquement des touristes, mais en tout cas, il y a quelque chose de sympathique par rapport à la vie professionnelle d'outre-mer. Alors, je continue. Donc, ici, révélation. Imprévu aussi, hein. Ça peut être imprévu parce que ici c'est quand même le 16. Ah, l'Asie. L'Asie qui sort. Donc des révélations, voire selon moi des imprévus plutôt négatifs. En provenance d'Asie par rapport à peut-être la santé. Eh oui, la santé, hein. Vous voyez, c'est comme s'il y avait des médications, voire des virus qui se sont échappés là.
ça me semble ça. Et que pour eux, il est clairement, hein, il est temps d'identifier ce qui s'est passé, hein, pour agir. Hein. C'est comme s'ils avaient besoin, tiens, au printemps en plus, voyez, printemps. Au printemps, donc l'Asie. Nous sommes bien au printemps, donc ça me semble que ce pays a besoin de se purifier, que ce soit au niveau santé, que ce soit au niveau même mental. Hein. C'est ce que ça me laisse penser. Beaucoup trop d'énergie stagnante. Je sais pas pourquoi je dis ça, comme ça. Bon. Donc on va en entendre parler, hein, de l'Asie en ce mois de juin. Je vous rappelle que nous sommes déjà le 3 juin. Donc. Ça commence déjà. Mais bon, j'avais ni l'énergie ni l'envie de le faire avant. Ici, vous avez donc le 9 de Pentacle, hein, qui est quand même une lame, pour le moins qu'on puisse dire, sympathique, intéressante. C'est un personnage qui a récolté. Bon, il a œuvré pour, hein, en même temps. Il n'est pas resté sur sa chaîne YouTube comme Katinev, hein, lui. Hein. Voilà, il est méritant, c'est ça que je veux dire. Il a trouvé sans doute des solutions astucieuses pour faire fructifier ses avoirs. Voilà, maintenant, il est tranquille, hein, il manque de rien, lui. Le Vénard. Et ici, un homme. Ah, donc, un homme. L'image, c'est quand même un homme d'un certain âge, un sage, je le dirais. Il lui manque des cheveux, bon, voilà, mais il a des lunettes, on ne peut pas tout avoir. Je plaisante. Que puis-je vous dire? Serait-ce qu'on me parle des législatives ici, avec cet homme? Vous voyez, un peu comme il venait prêcher la bonne parole, voyez, un peu comme quelqu'un de sage qui donnerait la réalité, une vérité sur le paysage. Oui, il me semble que c'est ça. Hein. D'autant plus qu'ici, vous avez le monde émotionnel. Donc, qu'est-ce qui... Oui, c'est les législatives qui nous préoccupent un petit peu quand même, hein, au mois de juin, non? Enfin, pas moi, mais peut-être certains, je ne sais pas, la majorité. Et c'est un homme, hein, qui sort ici, hein, à ce moment-là, je dirais, peut-être même deux. Alors, que voulez-vous me dire, hein? Alors, en fait, c'est un homme, oui, qui a acquis une nouvelle ou une certaine sagesse et qui sait faire la part des choses, en fait. N'est-ce pas? C'est un personnage d'expérience qui a réussi à stabiliser son plan émotionnel. Et du coup, il a la capacité d'être un guide, en quelque sorte. Pourquoi? Pour amener une rupture de l'existant, voyez? Pour transformer ce qui existe. Et pour ce faire, il y a besoin de rupture, en fait. Il y a besoin de couper dans le vif, en quelque sorte, hein, afin d'amener cette transformation. Bon, est-ce que ça pourrait dire aussi qu'il y a une personne très âgée qui va quitter ce monde? Bon, je ne le dirais pas, mais bon, ça pourrait l'être, et donc qui cause émotion, hein, puisqu'il y a le monde des émotions avec Raphaël. Mais, et puis le monde de la santé, parce que c'est vert aussi, hein. Je pourrais dire ça aussi. Hein. L'as, donc c'est quelque chose de nouveau.
Il me semble qu'on me parle de législative. Donc, si on me parle de législative, on est peut-être, parce que oui, j'ai déjà un tirage sur les législatives ici, mais je l'ai effectué il y a longtemps et les énergies bougent. Les énergies, en principe, ne sont pas stagnantes, ne sont pas une fois pour toutes et ça bouge plus. Bah non, mais c'est pour ça en fait. Si vous comprenez cela, vous comprendrez pourquoi je vous dis que la voyance immuable n'existe pas. Bon, voilà. Hein. Et donc d'ici que ça a bougé, oui, c'est bien possible. Alors, si pour moi ici on me parle de législatif, on me parle qu'il y a un homme, peut-être même contre toute attente, qui va ressortir un peu comme, c'est vu comme une victoire quand même, hein, comme un équilibre hein, en quelque sorte. Et comme ici, vous voyez, le personnage est en équilibre, je me demande, et que là, il y a quand même la rupture et la transformation, il se pourrait bien que ces élections, eh ben, nous amènent, comment dire, un équilibre des forces. J'ai envie de dire ça comme ça. Ça ne veut pas dire que ce soit pas le gouvernement qui réussisse à avoir la majorité. Hein. Je n'ai pas dit ça. Parce que c'est possible qu'à un député près, ils aient la majorité. Je doute que ce soit le cas avec l'RM. Vous voyez, par rapport à ces cartes. Mais bon. Tout le monde est avec les REM, que ce soit à droite ou à gauche. Il n'y a que les deux extrêmes, entre guillemets, qui ne le sont pas. Donc voilà. Et il me semble, oui, qu'il va y avoir un peu 50-50, vous voyez, aux législatives. Avec la victoire d'un homme, quand même, ici. Vous voyez, il n'y a pas de femme. Hein. C'est un homme qui ressort. Il y en a deux, même, un jeune et un plus âgé. Donc ça me semble quand même que ici. Ouais, c'est. Oui. Vous voyez? La France partagée en deux, en quelque sorte, un peu comme s'il y avait effectivement. Est-ce qu'ils auront de la difficulté à avoir une majorité de leur parti? Vous voyez, un parti avec une majorité flamboyante, c'est bien possible. Hein. Peut-être ne l'auront-ils pas. Ou alors de très peu, ça va être ric-rac. C'est possible ça. Hein. Donc, je continue. Hein. Ici. Alors, c'est quoi celui-là? Ça semble que c'est. Je ne sais pas qui est le ministre de la Santé maintenant. Pas pourquoi ça me fait penser alors qu'il y a des ballons un vieil homme mais je ne sais pas pourquoi ça semble que c'est qu'on me parle de la santé, vous voyez, la santé retrouvée, on se sent plus léger. Bon, après c'est les vacances qui arrivent, hein, bien sûr. Le printemps, non, bah, pas les vacances, on parle bien du printemps, nous parlons bien ici de juin, puisque le printemps c'est jusqu'à fin juin. En juin, il va y avoir la victoire d'un homme. Il y a un homme qui va ressortir. On le voit quand même joyeux, hein. Une réussite en quelque sorte. Et c'est bien au printemps que ça se passe, avec des cadeaux. Avec des cadeaux. Après, ça peut être un ministre, hein. Je connais pas, je ne connais pas tout. En tout cas, comme il y a le vert, je vais le prendre comme pour la santé. Et je dirais que si vous aviez peur ou crainte que des virus vous empêchent de voyager, de consommer, de bouger, bah, n'ayez crainte. Hein. Non, non, non. Profitez-en. Hein. Profitez-en. Vous pouvez aller sortir au dehors, voyager.
profitez. Ne me dites pas que vous ne le faites pas parce que les terrasses sont pleines. Donc, et c'est pas Katinev qui y va. Donc, voilà. Bref, hein, bon. Alors, continuons. Bon, on me parle économie un peu là. Allez, j'ai envie de vous parler économie. Hein. Bah, pour l'économie, je vous dis un truc. Là, il y en a un qui s'est endormi sur ses lauriers. Hein. Il ne veut plus rien entendre. Il ne veut plus rien décider. Il laisse tout ça à autrui, hein, j'ai l'impression. Ah non, non, là, il est, ça le pompe, hein, ça le fatigue. Hein. Il est même parti du château, on dirait. Vous voyez ? Il allait se reposer ailleurs, sous les spots... sous d'autres cieux, mais des cieux artificiels. Elle est marrante, hein, cette carte. Est-ce que ça me parlerait ici du ministre de l'économie? Bah ouais, je ne sais pas, c'est l'économie qui m'est venue. Alors attendez, je vais fermer la porte. Navré, mais oui, il y aura des coupes hein, sur cette vidéo parce que ben, à chaque fois que je m'absente, évidemment, je coupe. Donc, ici, me semble-t-il que c'est l'économie. Et c'est le ministre qui essaye de maintenir un cap, mais ça le fatigue. Ça le fatigue. Ah. Il y a quand même un imprévu ici au niveau économique. Il y a un imprévu. Hein. Les deux cartes associées me laissent penser à une arrestation quand même ici. Hein. Pas de quoi il s'agit. Ou quelque chose qui s'arrête du coup. Vous voyez ? Par rapport à une découverte hein, quand même. Hein. Une découverte hein, la découverte par rapport à un homme de pouvoir, un homme de décision et je sais pas si ça a pas à voir avec une gratification. En tout cas, on me parle de fidélité. Donc au niveau économique, quelque chose prend fin, s'arrête suite à une découverte. Découverte visiblement par un homme de pouvoir qui est fidèle, qui reste fidèle. Ça me parlerait ici du ministre de l'économie. Je me demande s'il n'y a pas aussi quelqu'un, un homme visiblement, dans ce gouvernement, en tout cas dans ce ministère de l'économie, qui aurait des soucis. Peut-être juste des soucis de santé, hein, ça peut être que ça. Hein. Mais bon, alors qu'est-ce que je peux dire du coup? Bah du coup, c'est pas terrible, hein, c'est pas terrible quand même, hein, malgré sa fidélité, malgré sa bonne volonté, malgré aussi que c'est le ministre de l'économie, visiblement, c'est quelqu'un de... plutôt de pragmatique et de professionnel, etc. Bon, il a des bonnes ressources, vous voyez, il arrive à décider avec bon escient. N'empêche que ici il y a quelque chose qui s'arrête. Alors ça peut être des aides qu'il avait données qui s'arrêtent brutalement et du coup... mais dans l'embarras des gens, des sociétés, etc. Oui, c'est sans doute ça que ça me dit. Hein. Bon. Et là, de quoi ça me parle? Il me semble que c'est le... C'est quoi ça? En tout cas, c'est des coupes. Donc, les coupes, c'est quand même les sentiments, vous voyez. Ah, la misère. L'impératrice et une femme. Donc, est-ce qu'on me parle d'une femme ici? C'est bien possible.
J'ai comme l'impression ici qu'il y a une volonté, doucement mais sûrement, si vous voulez, d'accompagner les plus miséreux. Voyez, les plus nécessiteux. Ce n'est pas non plus la rivière. Le sol est très sec, il n'y a plus grand chose, mais on arrose. On arrose. On continue, si vous voulez, une certaine partie de la population, et y compris, on va communiquer là-dessus. Comme s'il voulait, comme si ici il y avait une volonté, si vous voulez, de diminuer la séparation entre l'abondance, les riches et les pauvres. Il y a cette volonté, en tout cas, qui est décrite, qui est dite, et qui va se mettre en route, en tout cas, au mois de juin. On me parle ici d'une femme plutôt jeune, je dirais. Après, après, ça peut être aussi les mains de la justice. Alors d'ici, vous voyez, d'ici, parce que la justice, c'est féminin aussi. De plus, il y a le 2. Le 2, c'est la recherche d'équilibre quand même. Hein, parce que sinon, bah, s'il y a déséquilibre, c'est mort. Je me demande ici si on ne me parle pas quand même de décision de justice. Pas de décision de justice, attendez. Je cherche le mot des décrets peut-être, voyez, au niveau du gouvernement, des écrits, des décrets, des lois pour diminuer en tout cas le fossé entre les uns et les autres, entre les ceux qui où il y a de l'abondance, l'abondance, pardon, j'y arrive, et ceux qui sont pauvres. Allez, on continue. Ici, vous avez la force, symbiose, révélation et chance. Qu'est-ce que ça peut me dire ici? Bah, ça me laisse quand même penser que le gouvernement, quels que soient les résultats aux législatives, maintiendra la vis, aura à cœur de maîtriser son plan, d'aller au bout de ce qu'ils ont entrepris. Voilà. Ils veulent la maîtrise, en fait. Ils veulent. C'est un peu comme s'il disait ici, avec la symbiose, bah écoutez, j'ai été réélu, mon gouvernement a été réélu, vous auriez pu me virer, vous ne l'avez pas fait, donc c'est que ma politique vous plaît, donc j'ai le mandat, j'ai tous les droits et je vais aller jusqu'au bout. Cependant, et c'est là où c'est très intéressant, où souvent c'est équivoque, pour moi en tout cas, c'est que il y a cette rupture, cette transformation, mais c'est presque, on peut penser, en tout cas je l'ai pensé, que c'était un autre gouvernement, vous voyez, parce que c'est comme si, et j'ai l'impression que j'avais dit ça hein, il y a déjà quelques années, au début de cette chaîne, qu'à un moment donné, le président Macron allait changer son fusil d'épaule. Et il me semble que c'est ici que ça se passe, c'est maintenant. Vous voyez? Et un peu comme si en ce moment, il était vraiment dans cette recherche de symbiose avec la majorité fort, parce que c'est quand même la force, fort, de ce mandat renouvelé, majoritaire, pour 5 ans. Alors, on pourrait aussi dire que si ça a été
plus ou moins traficoté, bah, raison de plus, il n'est pas fou de faire des concessions, de mettre de l'eau dans son vin et de montrer, de prouver en quelque sorte à la France et au regard d'autrui qu'il est capable de tirer les leçons de l'expérience et se transformer en un sage, si vous voulez, qui est clair. C'est comme ça que je l'interprète. Hein. Donc, il y a ici une volonté de montrer le chemin qui est protégé. Que voulez-vous regarder cette carte? Chance. Qui est protégé. Donc, même s'il n'avait pas assez de députés, assez législatives, même s'il n'avait pas la majorité, ou en tout cas une majorité qui lui donnerait une légitimité, eh ben, il fera avec. Parce qu'il ira chercher les voix de Pécresse. Il ira chercher les voix de la gauche. C'est ça son parti aussi, à un moment donné. Ils se sont reliés. Donc ici, ah mince. Ici, il y avait des cartes qui étaient sorties, je dirais presque en trop, vous voyez. L'ermite revient, hein, deux fois. Donc c'est cette volonté quand même pour la France, pour cette France, pour voire même cette Europe, puisque maintenant il est aussi, il préside l'Europe, hein, ne l'oubliez pas. C'est quand même cette volonté de faire passer des décrets, des lois, etc. Au mois de juin, on le voit, peut-être pas tant que ça avant les législatives, mais ça va s'accentuer après. N'oubliez pas aussi que nous sommes en vacances, donc des choses vont passer à l'as. Et bien ici, quand même, il y a cette volonté d'aller au bout. Aller au bout de quoi? Ben, des réformes, des choses nouvelles, peut-être même une nouvelle société, que sais-je. Il y a ici, c'est ce que ça m'indique quand même, hein, ici ces cartes. Alors après, ici, là, avec ce... Ça, c'est le 5 d'épée. L'image était assez explicite. Hein. Il y a quelqu'un qui s'en va quand même. Hein. Il y a quelqu'un qui s'en va. Alors, c'est quoi ce... J'avais parlé tout à l'heure, peut-être une arrestation. Hein. Alors, c'est quelqu'un de fidèle qui s'en va. Quelqu'un de fidèle qui s'en va. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir me dire ici? Un imprévu? Une gratification indue? C'est possible. Hein? En tout cas, ici, il y a quelqu'un qui, à un moment donné, s'en va. Là, au mois de juin. Peut-être après les élections. C'est possible. Hein? Après la quinzaine, vous voyez? Ça, c'est possible ici. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. On va peut-être... Ah, il y a la femme ici, quand même, qui... Ah, mais est-ce qu'on est en train de me parler? Est-ce qu'on est en train de me parler? Parce qu'il y a un homme ici, hein, qui vient tout de suite après la femme. Je me demande si on n'est pas en train de me dire ici qu'à un moment donné... le ministre, hein, même si c'est un homme, mais parce que c'est le tarot des gays, donc il y a des hommes, hein. Logique. Ah non, je sais pas si c'est logique, mais bon. Oh, un de ces jours, on va créer deux sociétés, vous voyez. Les IEL dans tel pays, les homo dans tel pays. Non, je plaisante, je dis des bêtises. Bref. Ah là 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 là. Ici, mon ressenti, ce n'est que mon ressenti, c'est que la première ministre, Borne, je crois qu'elle s'appelle, ne restera pas.
C'est un peu ce que j'ai l'impression. C'est peut-être pour ça qu'elles sont sorties, ces cartes, pour me dire, bah, quoi qu'il en soit, législative ou pas, elle ne restera pas. Pourquoi je me le demande? Parce que. Eh oui. Parce que j'avais bien vu une femme première ministre hein, il y a longtemps dans un autre tirage. Hein. Et je n'avais pas idée de qui. Hein. Mais j'avais même pensé à un moment donné que ce serait Pécresse. Donc voilà. Alors bref, hein, et ici on me parle d'enfant. Vous voyez? On me parle d'enfants. Alors, qu'est-ce que ça veut me dire, ces enfants? En tout cas, après les législatives, des solutions intelligentes, ne vous inquiétez pas, viendront pour transformer un peu tout ça, rééquilibrer aussi avec de la maîtrise, des révélations et un coup de chance. C'est-à-dire que le gouvernement est plutôt chanceux quand même, je dois le dire. Donc, est-ce que cela voudrait dire que quoi qu'il en soit, il continuera quand même ce qu'il a sur la table? Selon moi, oui. Hein. Il y a cette volonté quand même qui ressort du mois de juin, même si c'est un peu en veille, vous voyez. Pour l'instant, il peaufine. Hein, il peaufine. Hein, ça pourrait être ça aussi. Vous hein, voyez, avec carte blanche quand même. Hein, ça pourrait être ça aussi. Hein, il s'entraîne. Voilà. Ils ont tous les projets là, ils attendent les législatives, et puis après, bah, 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 bah. Bon, enfin bref. Et ici, là, et on parle des enfants, mais selon moi, elle n'est pas. En plus, ça vient tout de suite après la chance, après la carte de la chance, la symbiose, etc. Donc, selon moi, ici, et la révélation, quand même. Donc, selon moi, ici, c'est plutôt. Ça veut peut-être me dire qu'il y a des personnes, je ne sais pas, hein, je ne sais pas, j'ai pas de petits-enfants, j'ai pas, bon. Donc je sais pas du tout s'il y a de l'inquiétude de la part des parents par rapport aux enfants, par rapport à l'école, parce que là ils s'en vont à l'école, peut-être par rapport à la maladie, par rapport au sérum, que sais-je. En tout cas, s'il y a des craintes, selon moi, mais bon, maintenant c'est moi. Hein. Vous n'êtes pas censé me croire sur parole, et je vous invite à ne pas le faire d'ailleurs. Mais selon moi, ici, c'est une invitation à profiter pleinement de vos vacances. Ne vous faites pas de mouron, il n'y a pas de danger pour vos enfants. C'est comme ça que j'ai envie de le dire. C'est vrai, c'est comme ça que j'ai envie de le dire. Cette carte ne m'inspire pas. Attendez, je vais peut-être prendre une autre. Alors, pourquoi cette carte? Pourquoi les enfants sont sortis? De la protection hein, ici. Protection des enfants. Est-ce que c'est par rapport au ministre de l'Éducation aussi? C'est possible. On peut les lire, vous voyez. Plusieurs manières. Hein. Ouais, oh, bah, regardez ce qui est sorti. Je vous l'ai dit juste avant. Hein. Preuve à l'appui. Protection. Oui, vos enfants sont protégés. Ne vous inquiétez pas. Si tel était le cas, la regarder cette vidéo se faisait du mouron pour leurs enfants. Je ne sais pas. Mes enfants, ils sont adultes. Ils n'habitent pas chez moi. Ils n'habitent même pas dans le même département. Donc, je ne peux pas vous dire. Hein. Qui se passe. Alors, voyons voir. Ici, j'ai envie, puisque elles sont sorties en bas, j'ai envie de mettre ici pareil. Alors, juste comme ça. Pour le mois de juin en France. Mois de juin en France, s'il vous plaît. Mois de juin en France. Allez, s'il vous plaît. Alors, ici. Ah! On me parle aussi de au mois de juin, on va encore entendre parler de la guerre. J'avais tiré ici la carte des États-Unis, me semble, hein, quelque part, ou à l'Amérique. Hein. J'avais tiré tout à l'heure, je ne sais plus où c'était. J'imagine qu'on me parle de ça. Hein.
parce que ça vient d'ailleurs, hein. Ça ne vient pas de la France. Donc là, on se prend bien la tête, hein. Donc ça continue. Ça, cette guerre, j'ai toujours dit qu'elle n'allait pas perdurer dans le temps, c'est-à-dire ça ne va pas faire une troisième guerre mondiale pendant des années, etc. Mais bon, ça ne veut pas dire que ça ne dure pas plusieurs mois, hein. Voire jusqu'à l'année prochaine, mais j'espère pas. Alors, ensuite, ici, vous avez... Ah ouais, vous avez quand même le 15, donc ça veut dire que qu'ici, il y a quand même des... Par rapport à l'étranger, il y a quand même des familles en danger encore. En ce mois de juin, j'entends. Hein. En ce mois de juin. Ensuite... Ah, quand même. Quand même, ça, il va y avoir des orages, vous voyez. Pour moi, ça symbolise des orages violents avec beaucoup d'eau par moment. Et puis de la sécheresse que j'ai vue quelque part ici, par moment, par moment. Je précise, n'allez pas avoir peur. Il y aura des solutions de toute façon intelligentes. Certaines vont surgir justement des législatives. Enfin, d'après les élections, je veux dire. Et enfin, pour couronner le tout, ici, eh ben, j'ai la haute fortune. Ça veut dire que en ce mois de juin, il y a quand même la roue du destin qui va nous donner la possibilité de tourner avec elle au bon moment, ni avant ni après. Avec ici le 3 d'épée, hein, qui n'augure rien d'extasiant, je dirais ça comme ça. En tout cas, les familles semblent à un moment donné... avoir le... se sentir opprimé, hein, voyez, il y a quelque chose comme ça, se sentent coincés, opprimés. Il y a quand même un conseil, voyez, de ne pas tirer sur la corde, voyez, sans doute par rapport à cette guerre en Ukraine. Y compris vis-à-vis des familles, bien sûr. Il y a quand même une situation critique, me dit-on, la carte me dit, en tout cas, même si elle est juste à côté de la carte blanche, un peu comme s'il y avait peut-être un pays qui avait l'impression d'avoir carte blanche, je ne sais pas. En tout cas, par rapport aux familles, il y a encore ici de la souffrance. Hein. Il y a quand même ici de déracinement. Il y a des personnes qui se retrouvent seules. Voilà, ça va continuer encore au mois de juin, en tout cas. C'est ce que ça me dit. Et un conseil quand même ici avec le 3 d'épée. Outre le fait que bah, ça crée de la douleur. Et de la tristesse, je veux dire, c'est pas, voilà, ben on nous conseille quand même ici de ne pas trop tirer sur la corde, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va peut-être falloir, n'est-ce pas, tirer un enseignement de ce qui se passe, hein, quand même, hein. J'ai comme l'impression que c'est ce qu'on est en train de me dire ici, hein. Donc, je reprends ici ces cartes. S'il vous plaît, la France au mois de juin. Événement proche, hein, voyez. Il y a un homme, un succès, succès d'un homme, hein, quand même. C'est vu comme un succès aux législatives. Hein. Ici, on me parle bien du commerce. Hein. Donc, comment dire, je vous avais dit, hein, tout à l'heure, hein, l'économie. Ben, le commerce, c'est l'économie, hein, que je sache. Hein. Il y a dans ce ministère quelqu'un qui s'en va peut-être.
S'il vous plaît, mois de juin en France. Ouais, d'un homme plus sage. Hein. Elle va être remplacée par un homme, il me semble. À moins qu'elle ait l'énergie masculine grave et qu'elle soit une sage, cette borne. Voilà. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pour la France, pour ce mois de juin. À l'automne. Ah, peut-être que peut-être une résolution hein, de ce conflit à l'automne. Hein. Ouais, avec peut-être des une amitié, donc des accords. Oh, il y a un ennemi. Hein. C'est pour ça que ça m'apparaît là le 3 de. Et la maladie. Donc à l'automne je me demande si on me parle pas ici aussi du virus qui revient. Vous voyez avec donc l'automne accord par rapport à un ennemi dans la santé. Donc c'est pour ça depuis un moment, hein, regardez mes anciens tirages, souvent je dis comme ça, sur le ton de la plaisanterie, profitez-en, sortez l'été, hein, restez pas devant un écran tous les jours, quoi, vous en fichez tout ça, arrêtez, allez voter si le cœur vous en dit. Si vous n'y allez pas, ne la ramenez pas par la suite, s'il vous plaît. Et puis, voilà, quoi. Faites votre vie. Je vous assure que se déconnecter, ça fait un bien fou, quoi. Allez. S'il vous plaît, pour le mois de juin. C'est plutôt vers la fin. Allez, encore un effort. Hein. À l'automne. Hein. Bon. Elles arrêtent de me parler. Donc pour le mois de juin, visiblement ici c'est fini. Je n'ai pas d'autres cartes sur la main pour ah celle-ci peut-être. Attendez, c'est pas vraiment des cartes, c'est une composition personnelle, mais bon. Que pouvez-vous nous dire pour synthétiser tout ça, s'il vous plaît? S'il vous plaît, pour le mois de juin en France. Attitude. 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 Bah, regardez. C'est pas beau ça? Bouger. Voilà. Bouger. Donc, zen attitude et bouger en ce mois de juin. Ce tirage est terminé. J'ai envie de terminer cette vidéo par vous dire que, alors je ne sais pas de qui c'est, hein, je ne connais pas l'auteur, hein. Je ne sais même plus si c'est moi qui l'ai écrit. En tout cas, il y a un proverbe qui dit « Celui qui sait que la plus grande pauvreté est celle l'on ne voit pas, celui-là est un être éclairé par l'esprit. Je vous souhaite un merveilleux mois de juin. Au revoir.